Hello les étrangers, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Bon, je suis un petit peu malade en ce moment, mais ce n'est pas grave, voilà. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont demandé à quand le retour des vidéos sur le YouTube Game. Eh ben écoutez, c'est reparti pour les vidéos sur YouTube. Désolée, j'ai pas été là, je me suis pris quelques semaines de vacances, voilà. Enfin vacances entre guillemets à la maison, mais en gros je fais toujours beaucoup de live sur Twitch. Je vous mettrai mon lien Twitch dans la description pour les intéressés. Faut savoir que sur Twitch je fais des jeux qui sont pour peut-être comment dire, c'est des jeux Peggy 18, voilà. Donc GTA hein, qui est un jeu déconseillé au moins 18 ans, c'est pour ça que je ne le fais pas sur YouTube. Bref, revenons à ma chaîne YouTube. Du coup, je suis revenue et du coup, il y a pas mal de choses qui me sont arrivées aux oreilles. Notamment, je me connectais sur mon compte parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée dessus. J'ai remarqué aussi la nouvelle petite carte cadeau qui est bien sympathique. J'aime beaucoup le petit chat là. Il est trop mignon. Mais en gros, je viens surtout vous parler d'une chose très importante puisque je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. D'ailleurs, je viens de répondre à tous mes messages privés sur le Discord, etc. Il y en a pas mal qui sont là-dessus, mais je vais vous montrer l'un des plus importants, je pense. Celui qui a été mis en annonce sur mon Discord. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre mon Discord pour les annonces. Et en gros, voilà, donc c'est juste ici, c'est un message que Lalo a mis, donc je vais mettre en grand, voilà. Comme ça on va pouvoir voir. En fait, voilà, c'est sur Discord, il y a une personne qui se fait, voire même peut-être même plusieurs personnes qui se font passer par moi, pour moi, bref, le français, hein, moi j'ai pas fait la rentrée, vous m'excuserez. En tout cas j'espère que votre rentrée se passe bien, donc on en avait déjà parlé en live, mais pour ceux que je n'avais pas pu dire en live, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Et du coup voilà, donc c'est une personne, par exemple, on prend un exemple, hein, mais il peut y en avoir d'autres. Coucou mon citron, tu dois sûrement me connaître, je suis Quinzel, je fais des vidéos sur MSP, les Sims et plein d'autres jeux de ce type. Je suis là aujourd'hui pour te faire VIP, enfin si tu peux l'être, donc je vais te dire les conditions et tu me dis si tu es d'accord. Donc je t'envoie les conditions. 1. Tu dois me donner ton pseudo CSS, je sais pas ce que ça veut dire. 2. Tu dois me dire combien de Star Coins tu possèdes sur ton compte MSP. 3. Pareil pour les diamants, enfin si tu en possèdes. 4. La dernière étape est ton mot de passe pour que je puisse te mettre VIP. Voilà mon citron. Mais le signe citron, si tu acceptes les conditions, si tu ne les acceptes pas, aucun problème, je respecte ton choix. Voici un lien de ma chaîne au cas où tu voudrais y faire un tour. Voilà. Alors déjà, d'une, je trouve ça vraiment dégueulasse d'utiliser entre guillemets mon travail, je dis entre guillemets parce que moi c'est plus une passion que mon travail, pour essayer d'arnaquer les gens. Clairement, je trouve ça, c'est dégueulasse, vraiment. Mais bon, déjà je vais vous rappeler la première chose la plus importante. Jamais je ne vous demanderai votre mot de passe sur Movistar Planet, que ce soit pour vous mettre VIP ou pour quelque autre raison. Jamais je ne vous demanderai votre mot de passe. Donc si quelqu'un se prétend être Quinzel, vous demande votre mot de passe, c'est que ce n'est pas moi. Et que voilà, dans tous les cas, même si c'était moi, ne donnez pas votre mot de passe quand même, voilà. Bref, donc voilà, c'était pour rappeler là vraiment cette condition de base, cette règle fondamentale. Sachez que je ne vous demanderai jamais votre mot de passe à chaque fois que j'ai donné un VIP à une personne. Soit je l'ai fait avec un ticket VIP, soit je l'ai fait en donnant une carte cadeau. Donc je n'ai pas besoin d'aller sur votre compte pour vous mettre VIP. Voilà, déjà. Voilà, c'est plus un code que je vous offre que vous utilisez vous-même sur votre compte dans les paramètres. Voilà, donc ça c'est dit. Deuxième chose, mon Discord à moi, c'est Quinzel TV. Et surtout parce que bon, les gens ils peuvent se renommer, hein, donc sur les Discord vous pouvez vous renommer. Donc sachez que si vous allez vous cliquer sur le profil de la personne, vous pouvez voir son hashtag. Et moi mon hashtag c'est le hashtag 1616, voilà. Donc voilà, si vous voulez vérifier qu'un compte Quinzel est bien le mien sur Discord, vous cliquez sur son profil, vous vérifiez que le hashtag derrière soit le 1616, le 1616 si vous voulez. Si c'est un autre chiffre derrière, c'est que ce n'est pas moi et c'est juste quelqu'un qui s'est renommé et qui se fait tout simplement passer pour moi. Voilà, donc c'est vraiment pas cool. Donc j'ai reçu ça, mais j'ai eu aussi beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit que cette personne, ou peut-être d'autres personnes, hein, je sais pas, parce que du coup je sais pas c'est quoi ce hashtag de cette personne, mais bizarrement c'est toujours écrit de la même manière que mon YouTube, donc écrit comme ça alors que je m'appelle pas comme ça sur Discord, et utiliser mon avatar alors que j'utilise même pas cet avatar là personnellement. Donc voilà, c'est...
Mais bon, c'est... Voilà. Malheureusement, il y a des personnes, je pense, qui se sont fait avoir. Et du coup, malheureusement, je peux rien y faire. À part, encore une fois, vous faire de la prévention. À savoir que les gens qui me connaissent vraiment, je pense que vous savez, je me répète tellement souvent par rapport à ça, que ce soit en vidéo ou en live, c'est que jamais je vous demanderai votre mot de passe. Voilà. Et pareil, il y a des personnes qui m'envoyaient en privé. Mais bon, j'ai pas envie de refouiller dans les MP là directement en live, en vidéo, pour retrouver les messages. Mais pareil, apparemment, il y a des personnes qui... se font également passer pour moi sur d'autres serveurs. Voilà, donc à savoir que je suis extrêmement inactive déjà sur mon propre serveur. Pourquoi je serais active sur un autre serveur? Vous voyez ce que je veux dire? Je reçois déjà tellement de messages à répondre que je suis pas très active même sur mon propre Discord. Voilà, j'essaye d'être active de temps en temps, mais c'est difficile. Donc voilà ce que je voulais dire. Et du coup, je voulais juste me connecter pour voir si je me suis fait pirater entre temps. Mais je ne pense pas. Je pense que sinon on m'aurait spammé de messages pour me dire qu'il y a Z, donc se fait pirater. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, c'était justement la période où il y avait le phénomène de la, des hackers qui avaient hacké le top de Movistar Planet. Donc apparemment mon compte est ok, rien n'a bougé. Bon, je ne suis toujours pas VIP, il va falloir que je me remette VIP à un moment donné. Peut-être que je vais attendre quand même qu'il y ait un... Peut-être une petite promotion. Ah ouais, c'est moche ça, c'est quoi ça? Il n'y avait pas ça avant, pourquoi il y a un cadre noir dégueulasse ici autour des gens qui sont sur Blockstar Planet? Pourquoi il y a un cadre dégueulasse noir? Coucou Quinzel, hello. Juste comme ça, bon, on va mettre l'anti-bug malheureusement, sinon ça va pas être possible. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé sur MSP? Là je suis vraiment plus du tout à jour au niveau d'MSP. Vu que je reprends les vidéos sur MSP actuellement, et d'ailleurs sur les Sims aussi, parce qu'avec la sortie du nouveau DLC sur les Sims, sur la magie, moi j'adore la magie, donc on va certainement en faire. Je vais vérifier les petits messages, les derniers petits messages. Coucou la Carzel, coucou. Hey, donne-moi deux couleurs, please. Coucou, rose et bleu. Voilà, donner les deux couleurs rose et bleu, que j'adore vraiment beaucoup, tu filmes, oui. Ouais, t'es belle comme Kim Kardashian, Mazumi. Hein. On lui envoyer un petit autographe. Mais moi, c'est surtout, je voulais voir les messages de avant que je me connecte. Donc à partir de là. Oh, elle est trop gentille. Elle m'offre des autos et tout quand même quand je suis pas connectée. Oh, c'est trop mignon. Il y a 10 minutes. Pareil, ici, un autographe quand même. Oh, coucou, merci. C'est trop chou. Alors, Sakaza, je me demandais si tu pouvais offrir un drip car je suis trop pauvre, ce serait gentil. On va essayer de voir. Attends, je vais envoyer une invitation. Ah bah non, je peux plus, c'est vrai. Je suis plus VIP, putain, je suis désolée. Du coup, elle va croire que j'ai refusé sa demande, putain, alors que je voulais lui envoyer une demande. Bref, c'est pas grave, je vais voir si j'ai un petit drip, un petit pixel envoyé à cette Mikan. Ah, j'aime bien son pseudo avec les petites parenthèses. Mais ouais, comme je vous dis, je voulais voir les messages de avant ma connexion pour voir qu'est-ce que les gens m'envoient comme message pendant que je ne suis pas connectée. C'est surtout ça la question. Voilà, donc ça c'était surtout une vidéo que j'ai fait assez rapidement, juste histoire de vous prévenir pour tout simplement les gens qui sont passés pour moi sur Discord, parce que je reçois de plus en plus de messages privés de la part des gens qui peuvent m'envoyer des messages privés, parce que tout le monde ne veut pas m'en envoyer. Donc j'ose même pas imaginer combien de personnes ont essayé de me contacter pour me prévenir justement que une ou des personnes se font passer, je pense plutôt des personnes se font passer pour moi, et je voulais vraiment que vous le sachiez. Alors attendez, j'ai peur de ne pas en avoir, mais on va quand même vérifier, parce que sur le compte là, je suis pas sûre, je me demande si je les ai pas déjà tous donnés avec ce compte quoi. Ouais, c'est embêtant. Non, ça se voit, je peux pas. Bah, la casquette, à Amy, je peux la donner, la casquette rose. La casquette, au pire, je me la rachèterai. Parce que ça, c'est ma collection full rose, mais bon, de la casquette, je peux la racheter, donc c'est pas grave. Voilà, on lui a envoyé un petit drip. Alors, on a reçu un auto. C'est vrai, je t'avais un gros bisou. Vraiment, t'as passé ton niveau 60. Merci, merci beaucoup. Est-ce que je peux renvoyer un auto? Est-ce que ça fait 2 minutes? Je ne sais pas. Parce que j'ai la notion du temps, absolument. Ah, mais. Ah merde, c'est vrai, c'est pas 2 minutes maintenant, c'est toutes les heures, fais chier. Coucou, hello. Si on pouvait faire un live car je donne un compte ancien VIP. Coucou. Je donne pas.
Ouais, je donne pas de compte également par, bah, pour pas avoir de problème non plus, parce que déjà d'une c'est interdit par le règlement, et de deux bah, tout simplement les personnes peuvent récupérer leur compte avec leur mail, avec, avec leur facture de, bah, de, avec leur facture de, bah, d'abonnement, etc. Donc c'est vraiment pas le... Voilà, je suppose qu'il y a quand même des gens qui sont honnêtes, qui veulent juste donner leur compte, qui veulent juste plus connecter sur le jeu, mais malheureusement derrière il y a aussi des personnes un peu plus malhonnêtes qui récupèrent le compte avec les factures, etc. ou avec les mails, et voilà. Jardo, j'aimerais tellement que tu me répondes, je suis à bois à toi, bisous, merci. Merci, gros bisous à toi. Bonjour la reine de Movie Star Planet, je voulais vous dire que Pixie devrait prendre retraite, et merci. MDR, merci. T'inquiète, je vais mettre Pixie au chômage. Elle me tue. Allez, dernière petite page de message, on va regarder. Alors, attends. Salut, situation. Ok, c'est pas une vidéo situation, on va quand même lire sa situation. Alors, j'étais dans le parc pet-pet et je nourris le mien pour pas qu'il crève. Et je donne du poulet, des sushis. J'ai pris le temps de tout lui donner. Et tout à coup, le nombre de starcoins tombe à moins 8. Je me recouvre, le nombre de starcoins monte à 12 starcoins. Bon, en comptant que je suis pas riche. Oh, ma pauvre, elle a perdu tous ses starcoins. Voilà, Gazette, je t'adore, abonnez-vous. Mes réponses seraient le plus grand des bonheurs. Merci, je sais que tu débordes de messages, mais bon, bye, hey, coucou. Ok, coucou, bref, on a compris. Alors, Kinze, sache que t'es la meilleure youtubeuse que je connaisse, avec Francisca bien sûr, et que tu mérites d'avoir bien plus d'abos et d'avoir, ce serait super cool de m'accepter sur Destiny Mode, me demander, voilà, est-ce que tu me réponds, c'est pas grave, je comprends, mais voilà, the of the best, merci beaucoup. Mais désolée, je suis que VIP, je peux que accepter en ami. Ouais, bah, j'en ai, je t'adore. Kinze, tu peux me faire un cadeau? Coucou, yes, on va lui envoyer un petit cadeau. Mais juste avant, je vais répondre au message. Oh, merci, merci. Je peux même plus envoyer autant d'auto que je pouvais déjà avant, quoi. Je suis trop tristesse. Déjà avant, je trouvais que c'était pas suffisant, mais maintenant, ça va être encore pire. Kinze, je t'écris ce matin parce que je me disais, j'aurais plus de chances que tu me répondes. En tout cas, je t'aime trop. Et j'aurais beaucoup que tu me répondes, STP. Coucou, ça va, passe voir mon arbre. Coucou. Ça va et toi? J'aime bien son look. J'aime bien son look. Kinze, j'adore tes vidéos. Coucou, merci. Ah, trop mimi. Alors, on va juste envoyer un cadeau à Margot. Hein. C'est la dernière personne, je vois, je peux voir la collection Drip STP. Hein. Oh putain, ça me fait chier, je peux pas l'accepter. Fait chier. Bref, on va envoyer un cadeau, ça sera déjà ça. Ça sera comme ça. Hein. Voilà, un petit cadeau quand même. Hein. On va lui envoyer. Hein. Ah, le temps que ça charge. Bon, enfin, ça a chargé. Hein. Merci beaucoup, mon Star Planet. J'aimerais bien lui envoyer un joli cadeau. Tiens, on va lui envoyer ce joli haut. Normalement, ça faisait partie d'une de mes tenues, mais bon. Et je la porte plus, je vais l'envoyer. Ça pourrait bien aller avec son style et tout. Donc, on va envoyer le petit cadeau. Il est où ton live? Il est où? Mais il est où? Je sais pas. Disparu, disparition. Je peux pas, je suis public. Et ouais, bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Mais voilà, dites-moi si ça vous dirait une petite vidéo, je réponds aux messages, etc. Et quelle vidéo vous aimeriez, tiens voilà, quelle vidéo vous aimeriez que je fasse par la suite, vos idées de vidéos. Et moi écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao ciao.